domination. Salut à tous, c'est Manarot et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte du map pack First Strike qui est sorti hier sur PS3 que j'ai pas acheté, que Minimoi 066 m'a passé. D'ailleurs je le remercie infiniment pour me l'avoir passé car c'est vraiment sympa de sa part. Donc petit coup de pub pour lui, même gros coup de pub parce que c'est vraiment sympa. Donc je mettrai sa chaîne dans la description. Hein. Inutile d'aller lui demander s'il veut vous les passer, je pense pas qu'il le voudra. Donc voilà, on se retrouve sur la nouvelle map Berlin Wall, donc c'est-à-dire c'est le mur de Berlin. Attendez, j'ai réussi à faire la traduction quand même, c'était pas dur mais j'y arrive, attention. J'ai un minimum d'anglais on va dire. Donc j'ai déjà joué la map hier, un peu tard dans la nuit, parce que j'ai mis du temps à télécharger le pack, parce que je fais plein de trucs en même temps sur l'ordi. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais en ce moment. Bah oui, je me suis fait casser dans le dos. Et ma clé mort, non, bah, ma clé mort elle pète pas, bien sûr. Oui, donc, la map là je l'ai testée, c'est pas une de mes maps préférées du pack. La map préférée du pack, franchement, c'est Kowloon. Je sais pas exactement comment ça se prononce, mais c'est cette map et franchement, j'aime bien. Les maps m'ont moins déçu que celles sorties sur MW2. Celle-là, je les trouve vraiment pas mal. Bah, surtout pour mon style de jeu, parce que moi, mon style de jeu, c'est vraiment jouer silencieux, comme là avec la classe que j'ai, AK-47 silencieux, Phantom Pro, etc. C'est vraiment ma classe par prédilection. J'aime contourner les ennemis et je fais ça depuis que je joue à Call of Duty, c'est-à-dire depuis Call of Duty 4. Donc depuis que je joue à Call of Duty 4, je ne fais que ça, contourner les ennemis tout le temps. C'est moi qui vous fais rager en vous prenant dans le dos. Donc voilà quoi. La map préférée c'est Kowloon, j'aime bien aussi Stadium. Donc vu que je viens d'avoir le pack, ce soir, vidéo découverte de la map zombie Ascension avec Minimoi, Minimoi 066. Avec X-57 et KingMax33. Donc on va essayer d'aller le plus loin possible sur la map. On a fait déjà quelques petites parties sur la map, mais on n'a pas tenu très longtemps. Donc on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Et en même temps, je suis en train d'upload une vidéo sur YouTube de 1h10. C'est une vidéo en zombie avec FNXP54. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il fait des vidéos de commenter sur Call of Duty et sur d'autres jeux. Et il fait des très bonnes vidéos, il a environ 4000 abonnés, mais les abonnés ça veut rien dire bien sûr. Donc voilà, elle est en upload et là il me faut encore 1500 minutes pour l'upload. Donc il me faut de la patience et je l'aurai. Donc là je sais pas si vous venez de voir, mais je joue avec les Valkyries, les roquettes Valkyries. J'avais envie de m'amuser et je les ai débloquées. Donc j'ai jamais joué avec personnellement. Ouh ça va, je fais une assez bonne partie. Donc j'ai jamais joué avec personnellement, mais on va voir ce que ça donne hein. Les seuls moments que je les ai eu, c'était dans les... Ah, mon Yui. Excusez-moi, le gameplay au Yui, c'est pas très intéressant à voir, mais je l'ai, je vais pas le garder en main comme ça. Hein. Ah, au fait, je fais une petite dédicace à la team YSI, que j'ai rencontré tout à l'heure, en jouant à Black Ops, là, sur les nouvelles maps, et je les ai rencontrés, et j'avais le micro, et ils m'ont dit que, ouais, je connais tes vidéos, etc., gentiment et tout, et j'ai parlé avec eux, c'était très sympa. Donc je leur fais une petite dédicace à tous ceux qui m'écoutent là actuellement. Une dédicace à la team YSI si vous m'écoutez. Ah oui, bien joué. Moi c'est tout le temps ça. Je sais pas comment ils font dans les vidéos qui font jouer des gameplays. Des fois les mecs ils balancent leur UI dure 15 ans. Moi quand je balance mon UI, je tue un mec, après je me le fais détruire quoi. C'est impressionnant, j'arrive jamais à tuer du monde. Voilà, donc la vidéo bien sûr là. Ensuite, je pense demain. Donc demain, je vais faire une petite vidéo avec X-57 et Minimoi, encore une fois, parce que franchement, je les aime vraiment bien. C'est vraiment devenu de bons amis depuis que je parle avec eux sur Skype. Et on va faire une vidéo sur Battlefield Bad Company 2. Donc vous m'en avez redemandé du Battlefield, ben vous en aurez. Parce que certaines personnes, deux trois personnes m'ont redemandé bref, il y en a qui m'ont demandé du Battlefield, donc je vais vous proposer ça. Ah oui, aussi hier soir, j'ai re-regardé le film La Tour Montparnasse Infernale avec Eric et Ramsey. Je pense que tout le monde connaît ce film, il est vraiment excellent.
Je me suis fendu la gueule, même si je l'avais déjà vu. Il est vraiment excellent. Il y a plein de répliques cultes dans ce film. Avec X-Messi, justement, on s'est repassé toutes les scènes. C'est vraiment excellent, quoi. Genre, aussi. Tout le monde arrête de bouger, sinon je tire une balle dans la tête à la main. C'est vraiment trop excellent, je trouve. Puis même quand Eric découvre la main et qu'il fait oh, c'est le tout beau, c'est excellent. Il n'y a que des répliques cultes et tout. Si vous l'avez jamais vu, franchement, je vous engage vraiment à aller le regarder, à le trouver. Mais franchement, il est vraiment excellent. Je l'ai regardé hier et je pourrais le regarder des centaines de fois. Je rigolerai toujours autant devant ce film. C'est irrévocable. De toute façon, tous les films avec eux, ils sont vraiment excellents. Je pense même avec la série H. Je pense que tout le monde connaît la série H, c'est vraiment excellent aussi. Avec les répliques cultes qu'il y a dans cette série, c'est excellent. Avec des films avec Eric et Ramzy, il y a aussi Seul Tout, c'est où ils sont tous les deux tout seuls à Paris. Il y a aussi Double Zéro, où c'est deux agents où ils font les gros bordels là. Il y a notamment Put the Coconut Down Now. C'est vraiment excellent. Je me fends la poire, mais faut vraiment regarder le film pour comprendre ce que je dis. Parce que... Donc je vous invite vraiment à aller regarder ça, c'est vraiment marrant. Donc là, j'ai balancé mes roquettes Valkyrie. Oula, oula, toi je t'aurai. Boom! Double kill. Bon, ça va, j'ai réussi à faire des frags. Parce que quand je les avais d'habitude dans les queues stratégiques, j'arrivais pas trop à faire des frags, mais là. Ça va. Donc là ils prennent B. Si ma grenade atteint. Attention. Ah merde, It's marker. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est dire, It's marker, c'est quand on blesse quelqu'un au snipe en général. Mais je pense que tout le monde connaît parce que c'est tellement culte depuis MW2 que. Ah même sur Black Ops, de toute façon, c'est tellement culte que. On en parle tout le temps. Oula. J'en ferai aussi une vidéo de Battlefield Vietnam parce que franchement j'ai adoré cette extension. Elle est excellente. Il y a plein de trucs en plus et tout, donc Battlefield Vietnam, ça sera à venir pour la semaine prochaine, je pense. Voilà, je vous avais promis une petite frag movie, mais je sais pas si je la ferai en fait, parce que j'ai vraiment du mal à jouer au sniper. Après, je pourrais faire. J'ai des autres clips pas au sniper, mais les petits kills au sniper serait toujours sympa. Donc, si je referai une frag movie, ce sera pas tout seul, mais ça sera avec ma team, donc qui contient encore X-Messi et Mini-Moi, encore eux. Faut vraiment que je les aime pour être tout le temps avec eux. Hein. Donc voilà, donc si on vient de créer une petite team comme ça pour faire des matchs de temps en temps. Donc je mettrai exactement également le lien de la chaîne dans la description. Donc on y postera des zombie challenge. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Si vous savez pas, bah, vous cherchez sur YouTube. Tous nos matchs de team seront postés sur cette chaîne. Et justement, on prévoit de faire une frag movie tous ensemble. Tous ensemble comme des grands et voilà quoi. J'espère que ce sera pas mal. Moi j'ai déjà quelques petits clips. Apparemment eux ils en ont aussi quelques-uns, donc c'est pour ça que on pourra faire une petite frag movie ensemble. Ça peut être toujours sympa, une petite team frag movie. Il y a d'autres membres de la team, mais là on va seulement de la créer, donc on recrute pas trop de personnes étrangères. On vraiment recruter des personnes qu'on connaît, etc. C'est vraiment une team de potes, quoi. Donc voilà. C'est la team. Bah, j'ai pas dit le nom de la team, c'est la team FOD. Donc c'est Frag or Die. Et voilà, c'était juste pour faire la petite promo parce qu'il fallait que j'en parle quand même. Ils en ont tous parlé sauf moi. Ah oui, aussi, je pense que ce soir, j'ai plein de projets en ce moment, là j'ai plein de trucs, donc là vous allez avoir pas mal de vidéos d'un coup. Je vous engage à aller tous les voir s'il vous plaît, hein, ça serait bien. Et ça sera une vidéo de un dual commentary encore avec StickNoob117. Je n'avais déjà fait un avec lui et cette fois-ci sera sur Minecraft. Je pense que tout le monde connaît le jeu, c'est un jeu que tout le monde dit « Ouais, c'est nul, c'est des gros pixels partout, c'est fin nul, y'a que des pixels ». Pourquoi t'aimes le jeu là? Enfin bref, faut vraiment jouer pour comprendre le jeu, quoi. Moi j'y joue depuis. Bon, je disais exactement pareil, hein. Je disais ouais, c'est un jeu avec de gros pixels et tout. C'est fin nul, mais franchement, depuis que j'y ai joué, je suis vraiment devenu accro. Ça devient vite addictif comme jeu. Quand on joue avec des potes, c'est vraiment super bien. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo avec StickNoob pour vous présenter le principe du jeu, etc. Donc voilà quoi.
Ouh, c'est moi qui fais la kill cam, regardez-moi ça. Ce PGM, the PGM dans la place. Attention, attention, il arrive, flashage de Claymore. Plus de Claymore. Et là, il arrive, attention, Matrix. Ouh, le PGM noscope à la K47, quel PGM. Voilà, c'est une petite vidéo découverte de cette map qui est Berlinwall. Bon, ça va, j'ai fait un assez bon score, encore 33-6. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'hab, laissez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Cliquez deux fois sur j'aime, ça fait également toujours plaisir. Et voilà, salut à tous!